7 ans, mon invitée tombe enceinte. Cette nouvelle retentit comme une bombe dans son entourage qui voit immédiatement son avenir gâché. Consciente d'avoir déçu sa mère et hantée par cette image de fille facile que les autres pouvaient lui attribuer, la jeune femme met tout en œuvre avant et après son accouchement pour aller jusqu'au bout de ses études. Chose réussie, elle parvient à obtenir tous ses diplômes. Côté professionnel, c'est une assistante sociale et coach en relations amoureuses épanouie. 10 ans après son accouchement, son copain de l'école avec qui elle a eu son premier enfant l'a demandé en mariage. Aujourd'hui, il file le grand amour et la jeune femme souhaite dire aux jeunes filles qu'il est possible de réussir sa vie même après une maternité précoce. Je reçois Patricia Ndoumou dans ce nouveau numéro de Résilience. Patricia, vous êtes tombée enceinte à 17 ans et ça a été un choc pour vous. C'est ça. Exactement. Vraiment, je ne sais même pas si choc, c'est le mot exact. C'était vraiment le ciel qui me tombait sur la tête et j'ai pas compris. J'ai mis du temps à comprendre ce qui m'arrivait en fait. Vraiment, c'était pas quelque chose. J'ai jamais envisagé ça, j'ai jamais pensé que ça pouvait m'arriver. Et le fait de l'apprendre comme ça, surtout que je l'ai su, j'étais déjà 7 mois de grossesse en fait. Mm-hmm. On peut dire que vous avez fait un déni. Oui, si c'est ça qu'on appelle déni de grossesse, je pense que c'est ça le déni de grossesse. Mais en fait, c'est que même dans ma tête, je n'ai même jamais imaginé que ça pouvait m'arriver. Parce qu'en fait, je pense que le déni, c'est qu'on sait que ça peut arriver et on n'imagine pas que ça pourrait nous arriver alors qu'on sait qu'on fait des choses qui pourraient faire en sorte qu'on se retrouve enceinte. Mais moi, je suis allée une fois, je ne pouvais jamais imaginer qu'au bout d'une fois, je pouvais tomber enceinte. Donc, je ne sais même pas si j'étais dans le déni. Non, pour moi, c'était bon. Mes règles ne reviennent pas. Ça va sûrement revenir. Et puis voilà. Alors, comment vous découvrez justement que vous êtes enceinte? En fait, je ne découvre même pas. C'est ma mère qui se rend compte que ça fait un moment que je ne demande plus les garnitures parce qu'effectivement, je n'avais pas changé. J'étais en première et au Cameroun, on porte les tenues. Donc, en fait, je n'ai même pas changé de tenue. J'avais toujours la même tenue. Voilà. Il n'y avait rien qui avait changé, juste que je n'avais plus mes règles. Et ma mère a senti que j'étais bizarre, en fait. Et elle m'a dit, viens, il faut qu'on aille à l'hôpital. Et là, vous découvrez la surprise, un bébé dans votre ventre. Oui. Et comment votre famille accueille cette nouvelle? Ben là, c'était le choc, justement, parce que ma mère... Il fallait qu'elle annonce ça à sa sœur, parce qu'elle n'était que deux, annoncer à sa sœur que, ben voilà, Patricia est enceinte, le temps de s'organiser, il fallait qu'elle vienne faire ma layette, donc elle a décidé de venir en France faire ma layette, mais il fallait le faire en 2 mois, en fait. Et c'était compliqué, je ne sais même pas si mes frères et sœurs étaient au courant, je ne pense pas. On a dû leur dire peut-être 1 mois après, parce qu'il fallait déjà accuser le coup. Et puis même leur expliquer, parce que je pense qu'on n'était vraiment pas dans, on était vraiment des gamins, on joue, on court, et là, comme ça, une nouvelle comme ça nous arrive, comment gérer ça? C'était, oui, ils ont appris peut-être 1 mois après, mais oui, ma mère a essayé de garder le secret au maximum, en fait. Elle n'a pas divulgué, parce que déjà, il fallait qu'elle même accepte, encaisse le coup, et elle est venue faire la layette, et je pense que c'est quand les gens ont appris... Ben, quand j'ai accouché, en fait, que les gens ont su dans la famille que j'étais enceinte, en fait. Alors, vous êtes encore étudiante à l'époque, lorsque vous tombez enceinte. Comment réagissent vos professeurs? Eh bien, quand j'ai su que j'étais enceinte, tout de suite, ma mère m'a changé de tenue. Et puis, ben, mon ventre est sorti d'un coup, en fait. Ouais. Vraiment, en une semaine, j'ai eu l'impression que mon ventre avait poussé. Donc, j'ai dû changer de tenue. Et je sais que les profs, ils étaient plus dans l'incompréhension. Parce que j'étais une très bonne élève et ils se demandaient qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai pas vu le coup arriver ou... En fait, ils étaient plus dans l'incompréhension et la compassion, en fait. J'ai pas senti le regard de la culpabilité ou l'accusation, vraiment pas du tout. Mais certains pensaient quand même que votre avenir serait gâché à cause de cette grossesse-là, précoce. Complètement, complètement. Même quand les gens de la famille ont su, en fait, tout le monde savait que c'était foutu, en fait.
que c'était bon, elle est tombée enceinte. C'est vraiment, les phrases, c'est vraiment dommage, pourtant c'était une bonne élève. C'était vraiment des phrases de déception, de voilà, on laisse tomber, c'est plus la peine, on va miser sur les autres parce qu'elle, c'est pas la peine en fait. Et votre copain, comment justement il apprend, il prend cette nouvelle? Parce qu'il est tout jeune aussi. Oui, il est tout jeune et j'ai jamais eu le courage de lui dire parce que je ne savais même pas comment lui annoncer ça. Sa sœur, par contre, était ma meilleure amie. Donc, c'est à elle que j'ai annoncé la nouvelle en lui disant, il paraît que je suis enceinte. Et elle est allée lui annoncer la nouvelle. Et là, il est venu me voir en me disant, oui, il paraît que tu es enceinte et tout. Je lui dis, oui. Il me dit, oui, mais comment tu ne m'as pas dit tout? Je lui dis, il fallait déjà comment je sache que j'étais enceinte. Et en fait, on a eu 2 mois, en fait, pour se préparer à l'arrivée de la petite, en fait. Et donc, il a accepté la nouvelle. Oui, il l'a accepté, pas parce qu'il n'avait pas le choix, mais parce que c'était évident, tout le monde savait que c'était lui, mon petit copain. Donc, il a accepté, il m'a pas rejeté, vraiment, sur ce coup-là, il a été brave, vraiment. Il m'a pas rejeté, il n'a pas douté, il m'a juste demandé si j'étais sûre que c'était lui, mais en même temps, il savait que j'avais aucun autre copain. Je pense que c'est aussi un moyen d'essayer de... Voilà, et puis je lui ai dit, bah oui, tu sais que j'ai personne d'autre, et puis bah... Voilà, en fait. Donc, vous êtes tous les deux scolarisés à l'époque, au moment des faits. Est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité que vous alliez avoir avec la charge d'un enfant? En fait, au niveau de la responsabilité, je savais que ma mère était là, que je pouvais vraiment, vraiment compter sur elle, et parce que ma mère nous a élevés seuls. Voilà. Et je savais qu'elle n'allait pas m'abandonner, qu'elle n'était pas dans le jugement. Quand elle a su que j'étais enceinte, quand le médecin a dit que j'étais enceinte, tout ce qu'elle m'a dit, c'est que la seule chose que je te demande, c'est de continuer à aller à l'école. Et je savais qu'elle allait être là, donc au niveau des responsabilités, je n'avais pas ce poids-là, parce que je savais qu'elle allait être là, et qu'elle allait tout mettre en œuvre pour que je continue mes études. La preuve en est qu'avant même que je n'accouche, elle a fait venir une cousine éloignée du village pour pouvoir s'occuper de la petite pendant que moi je continuerai à aller à l'école. Donc, je n'avais pas vraiment le poids de la responsabilité à me dire comment je vais faire pour élever l'enfant. Et mon copain non plus, parce que dans tous les cas, ses parents, s'il fallait participer, ils allaient le faire. Parce qu'ils me connaissaient. Et puis, on a vraiment eu cette grâce-là de ne pas être dans le jugement et d'avoir des parents compréhensifs qui pouvaient assurer parce qu'ils avaient les moyens. Que ce soit mes parents ou ses parents, ils avaient les moyens et on savait que. On pouvait manquer de tout, mais pas de nourriture pour la petite, en fait. Alors, comment se passe l'accouchement? Là. L'accouchement, ça a été très, très, très difficile. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de péridurale. Et déjà, il n'y a pas de préparation à l'accouchement. Donc, le jour où ça arrive, je suis là et puis je dis à mon oncle, parce qu'en plus, ma mère n'était pas là. J'avais perdu mon arrière-grand-mère. Donc, ma mère et ma tante étaient parties pour l'enterrement. Et on était resté avec mon oncle qui était venu nous garder. Et je lui ai dit, c'est bizarre, je n'arrête pas de faire pipi. Je n'arrive pas à arrêter les pipis, ça n'arrête pas de couler. Il me dit, mais en fait, là, je crois qu'il faut qu'on aille à l'hôpital. Je lui ai dit, oui, mais j'avais un petit peu mal au ventre, comme quand on a les règles. Voilà, mais pas plus que ça. Et puis, il me dit, non, non, il faut qu'on aille à l'hôpital. Et puis, tout de suite, on a été à l'hôpital. Mais ça a été rapide, hein. J'ai dû accoucher en 2 heures. 2 heures de temps, sauf que c'était très 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 douloureux. Je n'étais pas préparée à ça. Et voilà, en fait, tout me tombait dessus. Il fallait juste gérer. Et en plus, les infirmières, elles n'étaient pas du tout gentilles. Mais vraiment pas du tout. Quand j'essayais de pleurer un petit peu, non, 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 tu ne vas pas venir pleurer ici, personne ne t'a envoyé. Donc, mais allez, mets-toi là, couche-toi ici, mets-toi comme ça. C'était vraiment pas agréable du tout. C'était honteux, c'était... Là, par contre, je ne me suis pas sentie bien. Là, j'étais vraiment honteuse. Et puis, je ne sais même pas si je me suis dit, c'est peut-être mieux que ma mère ne soit pas là pour voir comment est-ce qu'on me... J'ai trouvé qu'on m'a maltraitée, en fait. On m'a vraiment maltraitée. Et puis, bon, la petite est arrivée 2 heures après. Hein. Et par contre, on m'a fait une épisio sans anesthésie. Non, non, c'était vraiment catastrophique. Et le lendemain matin, j'ai tout de suite allé voulu. Je me suis levée du lit parce que je ne voulais pas demander d'aide, vu comment elle m'avait traité la veille. Et là, je me suis évanouie, en fait. Mon Dieu. Oui.
Je me suis évanouie et je crois que je me suis réveillée le lendemain, quelque chose comme ça. Parce que apparemment, j'avais perdu beaucoup de sang et j'ai dû me lever brusquement. En tout cas, je me suis évanouie. Et là, je pense qu'elles ont eu peur. Et puis après, elles étaient un peu plus. Entre-temps, ma mère est arrivée. Donc, du coup, ma mère a pris soin de moi. Elle s'occupait de moi. Celle qui me lavait, qui faisait tout. Mais c'était un moment très, très difficile. Très douloureux, très difficile. Et là, j'ai commencé à avoir honte un petit peu de ce qui m'était arrivé. J'ai commencé à réaliser, en fait, que ce n'était pas une petite affaire. La suite de l'histoire de Patricia après les annonces. Pour nos prochaines émissions, nous recherchons des hommes et des femmes qui vivent ou qui ont vécu les situations suivantes. Vous êtes parents, vous avez longtemps entretenu des relations conflictuelles avec vos enfants, aujourd'hui vous êtes devenus les meilleurs amis du monde. Vous vivez avec un handicap, mais votre situation ne vous empêche pas de travailler. Vous étiez en situation d'échec scolaire, vous avez réussi à remonter la pente et vous souhaitez nous partager votre méthode pour réussir ces études. Enfant, vous étiez complexé ou harcelé à cause de votre physique, le regard des autres sur vous a changé et vous êtes devenu un modèle. Vous êtes longtemps resté au chômage malgré vos qualifications. Aujourd'hui, vous êtes responsable dans une grande entreprise. Parti de rien, vous avez gravi tous les échelons. Vous êtes désormais une personnalité incontournable dans votre domaine. Venez témoigner et ainsi encourager d'autres personnes. Contactez-nous sur nos pages Facebook ou Instagram, Ziana TV, Mavi Fiaz. Alors Patricia, moins d'une semaine après votre accouchement, oui. Vous retournez à l'école. Oui. Courageux de votre part. En fait, étant donné que j'ai pris conscience que voilà, j'avais gaffé, donc tout de suite, en fait, j'ai voulu repartir, redonner envie à ma mère de me faire confiance. En fait, je ne me suis pas autorisée le droit de prendre mon temps, en fait. Il fallait tout de suite, en fait, donner l'impression qu'on oublie ce qui s'est passé et on repart tout de suite sur la routine comme si tout allait bien. Et vraiment, là, je commence à être dans la culpabilité, dans ce besoin de prouver que, voilà, j'ai eu mon enfant, mais je reste la même jeune fille qui aime toujours l'école, qui peut prouver que... Et donc, vraiment, je ne me suis pas autorisée à prendre du temps. Non, non, il faut que ça reparte. Et puis, en plus de ça, j'étais dans une classe d'examen. J'avais le probatoire à la fin de l'année. Il fallait que je sois sur les bancs, quoi, en fait. Non, une semaine après, c'était reparti. Hein. Et la douleur, qu'est-ce que vous en faites à ce moment-là? Ah, je gérais. Ah non, non, je gérais parce que il fallait en fait qu'on oublie ce qui s'est passé. Et la grâce que j'ai eue, c'est que je n'avais pas gardé le ventre, je n'avais pas pris de poids. Donc du coup, je suis repartie à l'école comme si de rien n'était. On a juste remarqué que je n'avais plus le ventre. Par contre, je n'avais pas repris le sport parce qu'il fallait attendre que tout se remette en place. Donc il y avait un mot qui avait été fait pour l'école. Mais ah non, non, je suis repartie tout de suite. Donc heureusement, à l'époque, on rentrait à midi. Donc, à midi, je rentrais, j'avais le temps d'allaiter. Ma maman m'avait acheté un tire-lait. Donc, j'ai tiré le lait, j'allais à l'école et je revenais tout de suite après l'école et je m'occupais de la petite. Donc, la cousine qui était là s'en occupait la nuit pour que je puisse dormir et repartir le matin. D'accord. Donc, comme vous avez quand même à gérer l'allaitement, les nuits blanches, les cours. Ok. Voilà. Bien, vous avez eu de la chance quand même d'avoir cette aide-là. Oui, ma mère a été très, très réactive et... Je lui en étais reconnaissante et ben jusqu'à ce qu'elle parte, en fait. Que sans cette aide, vous auriez réussi vos études? Je pense que j'aurais tout fait pour, en tout cas. Ouais, j'aurais jamais arrêté les études parce que j'ai eu un enfant. Ça, c'est clair qu'il fallait... Voilà, comme ma mère m'avait dit, elle ne m'a pas engueulée, elle ne m'a pas blâmée, elle m'a juste dit, je veux que tu continues à aller à l'école. En fait, c'est ce que j'avais dans la tête. On continue, ce qu'il faut. Il ne faut pas que je la déçoive. Il faut qu'elle soit fière de moi. Donc, Patricia, vous vivez à un rythme soutenu, mais vous dites que c'était nécessaire pour redorer votre image auprès de votre famille, notamment auprès de votre maman que vous avez beaucoup déçue. Oui, exactement. C'était vraiment... Je n'avais que ça dans la tête. C'est-à-dire, comment faire pour
redevenir sa fille chérie. Pourtant, elle ne m'a jamais manifesté de colère ou pas du tout. Mais en fait, c'était dans ma tête. Mm-hmm. C'était vraiment, en plus, je suis l'aînée. Mm-hmm. Donc, elle a dû se dire que, comment est-ce qu'elle sera finir? Il fallait vraiment que je lui redonne cette espérance-là de se dire que, maman, ne t'en fais pas. C'est peut-être arrivé, mais tu pourras être fière de moi plus tard. Alors, je précise aussi que votre maman a eu trois enfants de trois pères différents, c'est bien ça? Exactement. Et vous dites ne pas vouloir refaire aussi quelque part le même schéma qu'elle. Exactement. Et donc là, je me suis dit, là j'ai mon enfant tôt, je ne suis pas sûre que le papa voudra rester avec moi, on est jeune, il ne me doit rien, d'accord, on a eu un enfant, mais bon, c'est pas pour ça qu'il est obligé de m'épouser. Mm-hmm. Et là, je me suis dit, si je ne reste pas avec lui, je crois que je n'aurai qu'un enfant. Parce que pour moi, il était hors de question que je reproduise le même schéma que ma mère, que sans jugement de ma part, on était bien élevés, ma mère subvenait à nos besoins, mm-hmm. au-delà de nos espérances même. Mais en fait, dans ma tête, je me suis toujours dit qu'il faudrait que je... Et ça, c'était aussi pour ma mère, en fait, parce qu'elle aussi avait toujours voulu se marier. Mmh. Et donc, pour elle, je me suis dit, il faut que je me marie, qu'elle m'accompagne à l'église. Mais vraiment, j'avais mon schéma tout tracé. Donc, la grossesse a failli me faire oublier tout ça. Après, je me suis dit, non, tu peux encore le faire, tu peux te rattraper. Ce qui fait que je ne me suis pas donné la possibilité de m'amuser à avoir d'autres relations, quoi. Mmh. J'ai dit, non, je reste là, je ne bouge pas. Il fait sa vie, il ne me doit rien. Si un jour il se souvient de moi, mais au moins il n'avait pas arrêté la relation. Ça veut dire qu'on était toujours amoureux, copain, copine, mais je n'avais pas à lui mettre la pression sur quoi que ce soit. Mais ce qui était sûr dans ma tête, c'était que s'il n'y a pas de mariage, il n'y a plus d'enfants. Alors, pas que je me retrouve avec plusieurs enfants. Et voilà. Donc c'était clair et net, mais on est restés ensemble, mais j'attendais, en fait, j'espérais. Vous espériez, et 10 ans après... Oui. L'accouchement, oui. Donc votre copain vous fait une demande en mariage. Exactement. Et ça, je crois que c'était... En fait, j'étais super contente. C'était le rêve de ma vie qui s'accomplissait. Mais j'étais très triste. Parce que ma mère n'était plus là. Oh. Voilà. Ma mère n'était plus là et c'était... en fait, un rêve... En fait, déjà, quand j'ai perdu ma mère, pour moi, ma vie s'était arrêtée. Pourquoi ? Parce que je me suis toujours dit que il faudrait que je m'occupe de ma mère, en fait. Comme elle s'est occupée de moi quand j'étais au plus bas, en fait, je me suis dit, je vais travailler pour m'occuper de ma mère, faire tout. Et ma mère est partie très jeune. Elle est partie à 48 ans, j'avais la vingtaine, en fait, quand elle est partie. Et pour ça, moi, j'ai fait une dépression pendant 3 ans, après le décès de ma mère. Parce que j'arrivais pas à comprendre, je me suis dit, mais comment je vais faire pour rattraper? Je n'ai plus rien, en fait. Elle est partie, d'accord, j'ai eu mon bac, j'ai eu ma licence, mais elle n'a pas, comme on dit, bouffé mon argent. C'est-à-dire que je ne me suis pas occupée d'elle. Donc c'est vraiment, j'ai mis 3 ans pour pouvoir ressortir la tête de l'eau. Et non, c'était très compliqué. Donc quand mon copain me demande en mariage, je suis super heureuse parce que je me dis, je suis croyante. Et je me dis, de là où elle est, elle me voit sûrement, mais c'est pas pareil. Elle n'est pas à mes côtés. Donc j'étais heureuse comme tout, mais très triste. Et vous pensez que de là-haut, elle est fière de vous? Vous avez réussi à redorer votre image devant... J'espère, mais je pense que oui, parce que je n'ai pas eu d'autre homme dans ma vie. Et je n'ai eu que lui, et c'est toujours ce qu'elle avait dit, qu'il ne faudrait pas qu'on soit des jeunes filles qui passent dans mon ombre, ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Il faut rester calme jusqu'à ce que quelqu'un... vous avez bien été élevé. Donc, il est hors de question que quelqu'un ne veuille pas de vous. Et donc là, pour moi, c'était un rêve qui s'accomplissait et j'étais contente. C'est-à-dire que je ne suis pas passée dans mon ombre. Je suis restée dans mon coin en me disant, s'il part, je crois que je vais rester comme ça. Et tant pis, en fait. Mais vraiment, j'avais dit, je consacre ma vie, voilà. Ça va être ça et pas autre chose. Ça veut dire que peu importe qui venait devant moi, je crois que je ne voyais rien. J'étais focus, j'ai dit, non, il y a ma mère qui me regarde, il faut que je fasse bien les choses, il faut qu'elle soit fière de moi. Et c'est comme ça que je suis restée dans mon coin.
Et vous étiez aussi hantée par cette image de fille facile oui. qu'on pouvait vous attribuer. Exact. Simplement parce que vous êtes tombée enceinte tôt. Tôt. Et malheureusement, quand... C'est ce que j'ai remarqué. Hein. Mm. Une fois qu'on a un enfant, c'est vraiment la porte ouverte à tout. Hein. C'est-à-dire que les hommes viennent te faire la cour. Ils peuvent avoir l'âge de ton père. En fait, ils n'ont plus d'état d'âme, en fait. Mm. Ils supposent que bah, si tu as déjà eu un enfant, c'est que bah, tu peux aller avec n'importe qui. Et là, c'était vraiment la foire. C'est n'importe qui vient te draguer. Il suffit qu'ils sachent que tu as un enfant. Mm-hmm. Et bien, ils se permettent tout. Et ça, j'avais ça en horreur. Et je me disais, en fait, ça... Voilà une des raisons pour lesquelles je vais rester là, je vais attendre. Parce que je vais me retrouver avec n'importe qui, sous prétexte que j'ai un enfant. Ils estiment qu'ils peuvent venir me draguer et puis estimer que bah, je n'ai même pas à refuser puisque j'ai déjà un enfant. Et si ça se trouve, je ne suis pas capable de l'élever, je suis élève. Donc, il brasse de l'argent, donc il va t'en parler. Et puis tout de suite, tu devras dire oui, en fait. Et donc, ça m'a plus dégoûtée, en fait. Mm-hmm. Et ça m'a encore réconfortée en me disant, bah, écoute, tu fais rien, tu restes là, ben, tant pis, t'as d'affaires, et puis ben, tu attends de voir, quoi. Mm-hmm. Et donc, quand le mariage est arrivé, c'était la plus belle chose qui pouvait m'arriver. J'étais enfin récompensée, on va dire. Et aujourd'hui, vous avez eu d'autres enfants avec votre copain d'enfance. C'est ça. On a eu deux autres enfants, et ben, on est toujours là, toujours amoureux, et puis ben, Dieu nous fait grâce, en fait. Alors, à travers votre histoire, vous aimeriez dire à une jeune fille ou aux jeunes filles que c'est possible de réussir sa vie, oui. malgré une maternité précoce. Oui. Ce que je veux faire comprendre aux jeunes filles aujourd'hui, c'est que malheureusement, avec, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux qui font ça, mais les jeunes filles aujourd'hui se focalisent sur ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux et tout le monde veut tout avoir tout de suite, vite et à n'importe quel prix. On n'a pas besoin de passer par des voies floues pour réussir sa vie, en fait. Et réussir sa vie, ce n'est pas brasser de l'argent, forcément. Réussir sa vie, pour moi, c'est être heureux avec ce qu'on a, à arriver au bout des objectifs qu'on s'est fixés et être avec les personnes qu'on aime. C'est ça, réussir pour moi. Faire ce qu'on aime avec les personnes qu'on aime, vivre avec les personnes qu'on aime et puis aller au bout de ses objectifs, en fait. Parce que si on se dit que moi, dans la vie, je veux être ça, on met tout en œuvre pour y arriver. Par soi-même, on serait encore plus fier. Plutôt que de compter sur quelqu'un qui va me donner de l'argent, je vais y arriver très vite et je ne serai pas dépensé, je n'aurai pas dépensé mon énergie, vraiment utiliser mes capacités pour y arriver. Et c'est vraiment dommage. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, je suis coach pour les jeunes filles et les personnes qui veulent se marier, pour leur montrer en fait la voie. Je ne maîtrise pas tout. Mais pour le peu que je sache, je pense que je pourrais être un exemple pour leur dire que c'est possible, en fait. C'est possible de commencer petit, on commence où on a commencé, mais on va quelque part, en fait. Se faire confiance et se dire, bon, j'ai choisi celui-là, et puis on avance. C'est pas dès qu'il y a le moins de trucs, c'est la génération Kleenex aujourd'hui, je trouve. Dès que ça va pas aller, on change, on prend un autre, mais c'est dommage que ça se passe comme ça. C'est déjà la fin de cette interview, Patricia. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ? Croire en soi, croire en ses rêves et mettre tout en œuvre pour y arriver, sans passer par des voies obscures. Mmh. Ça ne sert à rien. C'est possible d'y arriver si on a confiance en soi, si on croit qu'on est capable et puis ben, on met tout en œuvre pour y arriver. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mmh. C'est la fin de Résilience, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt.